Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du recto de la page 1 de mon album Pepsi. Alors on aura déjà un premier rectangle de 16 x 13 cm, 16 de hauteur sur 13 de large. Ensuite un autre rectangle de 16 de haut sur 17 de large avec un pli à 1 cm. Et ensuite un rectangle de 16 x 29 7 avec un pli à 13 7 ou alors le 16 en partant de votre droite. Et puis le 16 de fermeture que j'ai réalisé avec une perforatrice, qui est normalement une étiquette. Voilà. Alors on va déjà prendre notre premier rectangle de 16 sur 17, où on a marqué un pli à 1 cm. On va donc couper cette petite languette aux extrémités en biais, mettre de la colle ou du double face, là c'est comme vous voulez. Et puis on va prendre ensuite le grand rectangle, donc de 16 x 29, 7. Et puis assembler ces deux morceaux pour faire la page, enfin la triple page, puisqu'on aura trois volets. Donc on obtient une page de 16 sur 16 avec un premier volet, un deuxième et donc le troisième. Sur le premier volet, donc qui fait 13,7 à peu près, j'ai perforé la bordure à l'aide d'une perforatrice, soit Martha Stewart ou, pardon, ou Artemio, je ne me souviens plus. Donc là, on prend le dernier rectangle hein, qui faisait 16 par 13. Donc pareil, hein, on avait fait un pli à 1 cm, on en colle. J'ai coupé en biais évidemment cette languette sur chaque extrémité. Et on va donc la coller sur le deuxième volet de ce qu'on vient d'obtenir avant. Pas très près du bord pour qu'on puisse mettre le système de fermeture sans que ça empêche en fait la languette de se rabattre. Voilà, je pense qu'elle est à 2-3 cm du bord. En fait, elle doit être à peu près à 13 cm par rapport au centre. Ça doit être à peu près un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Donc là, on va faire le système de fermeture. J'ai utilisé des aimants hein, pour fixer tous ces volets et ces languettes. Beaucoup plus simple. Alors, comme vous avez vu, je me complique la vie avec du double face, alors que d'habitude, je prends simplement du scotch. Pour fixer, ça va beaucoup plus vite et c'est aussi simple et ça tient sur rien, surtout qu'on remet après un papier déco, donc on ne voit pas tout ça. Enfin, voilà, je me complique bien la vie parfois, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a des moments où on n'a pas toute la lumière au plafond. Voilà, bon, vous allez voir, hein, je vais enfin, pour terminer en fait, par mettre mon morceau de scotch sur la fin, alors que normalement je le mets à ce niveau-là. Et seulement après, je fixe mon aimant. Et puis, en rabattant automatiquement, comme on a mis le scotch sur l'envers, il va coller quand on va rabattre. Voilà. Des fois, c'est pas toujours net dans ma tête. Et puis, bah là, on aura quasiment terminé le système, enfin, la structure du recto de la page 1. Donc, il n'y avait rien de trop compliqué. Si jamais les choses vous échappent ou si mes explications ne sont pas tout à fait claires, n'hésitez pas à me contacter ou simplement à laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Merci à toutes et à tous de me suivre en espérant vous revoir bientôt pour le prochain tuto donc du verso de la page 1. Bon scrap, à bientôt! Si vous voulez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.